Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accélérer le démarrage de votre système d'exploitation. C'est valable pour Windows 7, Windows Vista et Windows XP. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Démarrer. Ensuite, vous tapez la commande msconfig. Vous validez par la touche Entrée. Ici, au démarrage, vous allez avoir toutes les applications qui démarrent avec votre système d'exploitation. On appelle ça des processus. Comme vous remarquez, je viens de faire, en fait, tout cela, ça a été coché. Pour vous, en fait, toutes les applications inutiles, vous allez les décocher comme ceci. Sauf pour les logiciels comme le logiciel antivirus, c'est important de laisser cocher. Sinon le reste, vous pouvez décocher. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de désactiver les logiciels inutiles au démarrage de système d'exploitation, car cette manipulation est parfaitement réversible. Vous validez par la touche OK, appliquer, OK. Ensuite, vous redémarrez votre système d'exploitation. Au redémarrage du système d'exploitation, vous arrivez à une fenêtre comme ceci. Il suffit juste cocher la case « Ne plus afficher ce message » et puis vous validez par OK. Et vous allez voir que vous allez gagner 30 à 40% selon les cases que vous avez décochées au niveau de rapidité de votre système d'exploitation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.